D'accord. Voilà notre. Donc, Adena. Donc, ça, c'est l'autre de chauffe-eau. Je sais si c'est visible ou pas. Ok. Voilà, هذه سي فوالا هكذا تبان شويه دونك راك تشوف لو بوان هذا لهنايا سا انديك هذه لا بين اون داكور اون دو تروا كات 5 6 7 8 داكور دونك اون فا فيغ لو مونتاج رابيدمون بون الحاجه الاولى دونك اون فا كونيكتي لو 8 l'alimentation donc 8 connecté au ha on va choisir la ligne donc la ligne d'IA l'extérieur c'est le plus ou c'est le moins la masse voilà. Il est toujours judicieux la haja mliha tstamlou par exemple qui dirou les connexions t'aكم utiliser le code couleur hakdak باش ما يصراوش plus tard khalota donc لا اسمه ال كيفاش يقولوا ما تغلطوش انتر لو سي سي لي كود دو كولور زعما لاليمونطاسيون من اكسيد اكسرا باش تعرفوا وين راكم الدور اون فا ميتر تاني لا بين اون لا ماس دونك كونيكتيو هادي تاع كنا شوازي كوم وانا كنا سيكسيون كوم ماس وعلى بالنا بلي لو اوسي قلنا الكات Le schéma, on va le mettre comme sur la page, je vais pouvoir le consulter. Donc, la pin 4, c'est on a serré 7, donc on va la connecter le plus. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7 et 6. Ils sont court-circuités. Donc 6 et 7. Voilà. Voilà. 6 et 7. Le 5 a un condensateur de 10 nanofarads. D'accord. On va connecter 10 nanofarads là. D'accord. Et nous avons résistance. Donc, dans le montage, nous avons le VCC. Il y a la pin 7 ou la 6, kif-kif, puisque c'était le moins point. Voilà, la résistance est à 10 kΩ. Et on a le condensateur de... On a ici, condensateur de 470. Et il est de 16 volts. Donc il faut s'assurer que je vais utiliser une batterie à 9 volts. Donc je vais utiliser une batterie inférieure. Je vais utiliser une batterie à 16 volts, c'est OK. Je vais utiliser une batterie à 10 volts. Parce que 10 volts, elle est à la limite. 16 volts, elle est bonne. Donc je vais utiliser le moins. Donc il est polarisé, c'est un condenseur électrolytique. Donc le moins, je vais utiliser la masse. Ou l'autre, je vais utiliser le même point que la résistance. Ou la flapine 6, puisque 6 et 7 sont connectés. Donc, là, c'est le même point. D'accord. Voilà. Donc, on a connecté à deux côtés. On va connecter maintenant la diode électroluminescente. Je tiens juste à vous à montrer quelque chose. Que je vous... Donc, on aura Voilà, je ne sais pas où la raccourci au foie. Si c'est visible là ou pas. Bon, souvent, je vais vous dire où est l'anode ou la cathode. L'anode, c'est le côté plus et la cathode, c'est le côté négatif. Des fois, tu vois à l'intérieur, c'est qu'elle est transparente, tu vois deux électrodes. Et ben nous,
كانوا يحتاج فيهم جاية شغل اوريزونتال وكبيرة شوية، هذيك هي لا كاتود ستادير لو نيجاتيف، واللي صغيرة لداخل هي لو لا نوت ولا لو كوتي بلوس. Il ne faut pas trop se fier, donc je n'ai confiance dans la longueur de la lettre. Des fois, parce qu'il n'y a pas un standard. C'est pas, des fois, ça a été fait, des fois, ça a été fait. Donc il ne faut pas se fier trop au standard. Donc il y a là, donc il y a la note. Donc la note, je vais la connecter à la pin 3. Donc il y a. Et la cathode. On va utiliser une résistance de 330 ohms, la masse. Comme on a la pin 1, c'est la masse dernière, elle est connectée. Donc on va connecter ça. Donc on a connecté la LED. Ce qui nous reste maintenant, ce qui reste en dernier, c'est le bouton poussoir. Le bouton poussoir, donc on a maintenant le. Une résistance le point la pin 2 ou le VCC bien l'alimentation donc avec 10 kilo ohms donc avec 10 kilo ohms pin 2 voilà après on a le point il va on va utiliser le bouton poussoir. Donc, voilà. Pin 2, bouton poussoir. Voilà, pin 2. Pin 2, machine VCC. Donc, pin 2. Et on a le bouton poussoir. Je vais le monter là. Et le bouton poussoir, il va la masse. Bon. Donc, après, le branchement. Bon. Voilà. C'est fait. Donc, j'ai pour le. L'alimentation tana donc le plus branché ou le hnaya d'accord branché ou le moins tana à la batterie est à 9 volts d'accord et on va appuyer voilà. Abdou, parce que peut-être il y a un mauvais contact quelque part mais voilà 1 2 3 4, 5 pratiquement voilà donc au lieu d'une lampe LED vous pouvez mettre un relais ou bien un MOSFET pour contrôler n'importe quoi j'espère que vous m'avez dit la vidéo n'hésitez pas à faire des commentaires et poser des questions si vous en avez des questions. Ok? Merci beaucoup et à la prochaine.